C'est la première expo en France depuis 35 ans. Bon, et on est dans les livres du graphisme comme un moment très important, quelques-uns disent même essentiel, pendant 20 ans, Larousse dit, a renouvelé l'image du PCF et l'image de la CGT. C'est de la foutaise. Il n'y a rien de la sorte. Chaque image ici qui a été faite avec des communistes est un combat, mais un combat positif. J'aime mon pays, ça s'est passé tout seul. Mais d'autres, c'est sur les mots, sur l'image, etc. Et cette combativité qu'on avait, elle s'est dissoute par l'entourage, l'environnement politique qui nous a amené à un désaccord sur le fait que nous étions aussi passés du côté du pouvoir en travaillant pour le Louvre, en travaillant pour la Villette, en ayant gagné des concours internationaux dessus. La dynamique elle-même a toujours sa valeur, le travail collectif. Et puis ce qui est dans cette expo, il n'y a qu'à regarder. C'est pas mort. Pour moi, ça n'est pas mort.